toi. Tiens-toi. Mademoiselle. Autrement, on va être obligé de faire les courses ensemble toute la journée. Rien. Oui, sympa, 2 francs. Et merci quand même. Et de toute façon, je t'attends à la sortie quand tu auras fait de la mauvaise. Salut les amoureux, vous n'aurez pas une petite pièce ou deux pour mon copain et moi, s'il vous plaît? Non, désolé, on n'a pas d'argent là. Ouais, soyez cool, c'est pour bouffer une petite pièce. Écoute, ça va, je te dis qu'on n'a rien là. Hey, salut petit gars, t'aurais pas une clope pour moi, s'il te plaît? Non, je sais pas, allez. T'as même pas un petit peu de thune pour me dépanner? À part, il me manque juste 3 francs pour que je m'achète un sandwich. Oui, non, mais je peux pas. Même pas un franc? Allez. Non. Je suis SDF. SDF. Je t'appelle SDF, moi, maintenant. Je t'ai jamais vu ici, c'est la première fois que tu viens là? Oui. Ici, hein, les gens, ils donneront rien, il y a que des radins, je les connais tous. Hier, je vois les mêmes têtes toutes les semaines. Ils viennent ici toutes les semaines, le même jour, à la même heure. On dirait qu'ils prennent rendez-vous avec leur supermarché. C'est pas vrai? Ouais. Ça bouge pas, au fait, c'est Jeff. Franck. Eh ben, salut, Franck. Salut. Ça te dirait pas de bouger un peu d'ici? C'est trop relou, là. Hein? Viens, viens. Quoi, moi? Ce qui me fait chier, c'est que t'es obligé de taxer les gens, tu vois. On est obligé de mendier franc par franc pour bouffer. Non, on vit pas pour survivre, merde, tu vois. Et s'il vous plaît, vous auriez pas... Regarde, les mecs, ils te voient même pas. Dans 5 ans, tu seras un vrai clodo, tout le monde t'en soucera, c'est pas vrai? Allez, file-moi ta thune, toi, maintenant, enculé. Attends, calme-toi, là. Non, mais vas-y, je rigole pas. File-moi ta thune ou je te déchire la tronche à toi et ta pétasse, là. Ok. Vas-y, Franck, fouille-le. Franck, fouille-le. Putain, mais Franck, spite-toi, fouille-le! Allez! Maintenant son portefeuille. Bon, y'a combien? Y'a rien. Eh ben, regarde, s'il n'y a pas une carte bleue! Si, y'en a une. Faut arrêter, vous pourrez pas. Mais ferme ta gueule, toi! Les meufs! Putain, les meufs! Enfin, il paraît que les meufs, elles kiffent trop les Français, je te jure, hein. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Les meufs, putain, c'est des folles. On peut s'associer, d'accord? Ouais. Bah, c'est génial. Et après, d'accord. On va faire dans les failles. Bon, file-moi la carte. Faudra peut-être y aller, là, parce que... Mais stresse pas, y a pas à flipper, putain. Toi, tu vas venir avec moi, on va se lever, on va aller tirer de la thune, d'accord? Ok. Y a une machine, là-bas. Franck, tu restes avec la main russe, elle bouge, tu les classes, ok? Ok. Oui. Ça va les partenaires? Oui, c'est bon. Méfie-toi, c'est un méchant lui. Hein. Allez, viens toi. A tout de suite. Allez. Il faut pas bouger. Il a dit qu'on reste là. Pourquoi vous nous avez fait ça? On vous a rien fait. C'est pour construire un hôtel. Quoi? On est associés. On va construire un hôtel en Espagne, au bord de la mer. Avec 2000 balles? Ce sera pour le début. Mais ça peut pas marcher un truc comme ça. Vous pouvez pas agresser les gens dans la rue. Mais on peut pas agresser les gens. Attends, ton copain, il avait pas un couteau là? Oui, non, mais je le connais bien. C'est mon meilleur copain. Il est pas méchant en vrai. Si vous voulez, vous pourrez venir dans notre hôtel.
faut qu'ils en mettent du temps. Ça fait pas très longtemps. Ils vont bientôt revenir. Ça va? Ça va, ouais. Il m'a pris 2000 balles. Bon, il est pas avec toi? Mais qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Et ton pote, il a pris mon fric et il est parti. Alors maintenant, tu te casses! Casse-toi!